La famille, depuis hier, nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux notre sœur camerounaise en larmes. Elle est en train de mourir de chagrin, d'amour pour son homme. Elle dit qu'elle est en insécurité en Côte d'Ivoire. Et une sœur qui est en insécurité, une sœur camerounaise qui est en insécurité, nous, Camerounais, on ne peut pas rester indifférent. C'est la femme. Je ne sais pas si c'est la femme. Je ne sais pas chez qui Desbordeaux avait épousé cette femme, puisqu'elle dit que ses parents ne vivent plus, ou bien c'était avant le décès de ses parents. Mais dans son direct, elle n'a jamais mentionné qu'elle était mariée légalement à Desbordeaux le Koufa. Bon, on l'appelle sa femme parce qu'ils ont vécu plus de 7 ans ensemble. Donc c'est l'ex-femme, disons comme ça, parce qu'elle dit qu'elle ne veut plus de cette relation. L'ex-femme de Desbordeaux le Koufa qui se plaint de l'attitude, du comportement de Desbordeaux. En passant, Desbordeaux le Koufa, j'espère que tu me suis bien. Quand tu étais au Cameroun, puisqu'elle a mentionné que c'est elle qui t'avait amené au Cameroun pour les soins, quand tu étais gravement malade. Moi, j'étais au courant. C'était à soi. Moi-même, j'étais au courant quand tu étais ici. Mais je me posais la question. Desbordeaux le Koufa, l'Ivoirien, vient chez nous. Je connais même le prêtre exorciste ici à soi. C'est où tu étais? C'est aujourd'hui que je comprends que c'est notre soeur qui t'avait amené. Parce que nous, on se pose la question que Desbordeaux vient au Cameroun. Qui indique le Cameroun à Desbordeaux qu'il vient se soigner? Bon, là n'est même pas le problème. J'ai vu une femme, une dame qui est tellement amoureuse. Parce qu'il faut rappeler que cette dame est encore amoureuse de Desbordeaux le Koufa. Quand tu vois la manière dont elle s'exprime, je sens qu'elle est encore amoureuse de Desbordeaux. Elle veut seulement que Desbordeaux change. Mais Desbordeaux, tu as kidnappé sa copine. Tu es en train de menacer toute sa famille, menacer sa copine. Et c'est elle maintenant que tu veux la faire la peau. Je voudrais dire ceci à mes sœurs. Ce qui t'arrive aujourd'hui, je parle d'abord à ma sœur là. Toi-même, tu as voulu que tout ça t'arrive. Et c'est que quand vous vous engagez, le mariage n'est pas l'amitié. Si c'est l'amitié, tu peux t'engager à n'importe qui parce que demain, ça peut finir. Quand tu dis que c'est mon homme, c'est le mariage, pardon, essayez un peu de voir le passé. Essayez de voir le passé. Quand tu entres dans la vie d'un homme, on te dit qu'il était comme ça. Il a fait ceci à telle femme, telle. Toi, tu viens aussi, tu entres parce que tu penses que c'est toi qui va être quoi? Qui va être différente? C'est à toi qu'on ne peut pas faire ça. Même vous les boys là, quand vous allez prendre une femme comme votre épouse, prenez le temps de l'étudier. Ne vous engagez pas bêtement comme ça pour après pleurer que oh, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Et en ce qui concerne l'ingratitude, on est habitué tous les jours. Ce n'est pas parce que tu as fait le bien à quelqu'un que demain forcément il va reconnaître. Donc si tu pleures tout ce que tu dis là parce que tu l'as amené au Cameroun, se fait soigner, tu l'as amené ici. Et aujourd'hui il est en santé. Il ne peut même pas comprendre ça. C'est demain là, s'il tombe encore malade, s'il se retrouve encore dans cette situation, il va comprendre ta valeur. Il va comprendre qu'il te fallait auprès de lui. Mais aujourd'hui là, tu ne sais à rien. Tu comprends donc, tu ne sais à rien. Donc ce n'est que pour l'ingratitude, on est habitué à ça. Mais avant de vous engager que tel, je veux me faire ma vie avec telle personne, prenez bien les renseignements. Étudiez bien la personne. Tu fais 7, 8 ans, ou c'est 7 ans, ou c'est 9 ans, c'est combien d'années avec quelqu'un. Tu subis. Il te dit d'abord que tu ne dois pas travailler, tu vas rester à la maison comme. Mais pour faire. Tu as fait plus de 7 ans avec Desbordeaux. Tu connais qui est Desbordeaux. Tu as traversé tous les moments difficiles avec Desbordeaux. Tu pouvais prendre cette décision depuis. Mais tu ne faisais que supporter. Et aujourd'hui, tu te mets devant une caméra, tu es en train de pleurer. Tu es arrivé dans la vie de Desbordeaux. Il y avait d'abord une autre. Desbordeaux l'avait traité de la même manière qu'il est en train de traiter maintenant. Toi, tu t'es dit, non, peut-être cela n'aimait pas vraiment Desbordeaux. Ou bien tu devais apporter plus d'amour, je ne sais pas trop. Tu devais être différent de celle-là. Aujourd'hui, toi-même, tu dis que Desbordeaux veut te faire la même chose. Tout ça, c'est dans ton direct. Et c'est la même chose que Desbordeaux veut te faire aujourd'hui. Tout ça parce que tu as annoncé que tu ne veux plus de cette relation. Tu fais d'abord... Mais les femmes font comment pour vivre chez un homme plusieurs années? L'homme ne te rationne pas.
l'homme ne, sauf si tu es en train de mentir, je ne sais pas, l'homme ne te donne pas ce que tu veux et tu ne et il t'empêche de travailler. Tu es toujours là au nom de l'amour, au nom du mariage. Tu voulais être madame de Bordeaux, non? Sachez que quand vous engagez avec ce genre de personnes, surtout les artistes de ce rang-là, ce sont d'abord des fumeurs, comme toi-même tu as dit, quand ils fument, c'est tout, ils viennent te déranger, ils viennent faire ci, ils viennent faire ça. Tu l'as accepté comme ça. Ce sont des gars bordel, voyous. Et si tu, depuis le départ, tu as connu des Bordeaux comme ça et tu t'es engagé, maman, pourquoi aujourd'hui là tu pleures encore? Bon, je comprends que c'est arrivé au niveau où tu sens vraiment que ça va prendre ta tête. Des Bordeaux, le confat. Pardon, si tu n'aimes plus notre soeur, laisse-la en paix. Et je voulais aussi demander une chose à ma soeur là. Pourquoi, avant de mettre thème à ta relation, tu n'es pas rentré au Cameroun? Vous vous levez un matin comme ça, vous partez seulement en mariage. Vous voyez seulement un homme qui vous plaît, vous portez seulement les bagages, vous partez seulement habiter là-bas. Mais c'est vraiment... Ça dit que le mariage même, c'est quoi? C'est obligé d'être en mariage. Une belle femme comme ça là, mon frère. Une belle femme comme ça, tu es en train de pleurer, pleurer. Alors que les boys sont là dehors, ils souffrent, ils n'ont pas de femme. Toi, tu es là, tu meurs derrière un Joe même qui n'a même pas ton temps. Hein? Sauf si toi-même, tu es en train de cacher beaucoup de vérité. Nous, on attend encore la version de Desbordeaux. On attend la version de Desbordeaux pour bien comprendre le fond de cette histoire. Parce que si on veut seulement se limiter à toi, on va traiter vraiment Desbordeaux de tous les noms d'oiseaux. Mais on ne peut pas suivre une seule partie et déterminer directement que voilà. On attend encore. Mais sauf que Desbordeaux, encore nous nagué. Il fait des trucs. J'ai entendu quoi? Il fait des grimaces. Où il va parler? Où il ne va pas parler? On attend encore sa sortie pour comprendre vraiment le fond de ça. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.